Et bonsoir à tous, c'est Sport Virtuel RP, nouvelle vidéo donc et nouveau match surtout de Ligue des Champions. Cette fois c'est l'Olympique de Marseille face à Manchester City. Si vous avez bien suivi la vidéo de la semaine dernière de Ligue des Champions, l'OM s'est incliné 1 à 0 à domicile face le OFC Séville. Et donc maintenant les Marseillais se retrouvent face à Manchester City pour cette troisième journée du groupe F. Alors avant, pardon. Alors avant de commencer, on va donc parler donc des deux équipes, l'Olympique de Marseille et le Manchester City. Donc tout simplement, on regarde d'abord le classement du groupe. Voilà, le classement du groupe, c'est que déjà Manchester City est déjà en tête de ce groupe, un point devant l'OM. Alors en tête grâce au but marqué, vous voyez, comme vous voyez sur la colonne de droite, il y a un nombre de buts marqués et encaissés. Alors les Marseillais donc ont marqué seulement. Donc on gagnait face à la pelouse du Lokomotiv Moscou lors de la première journée, mais ensuite ils se sont inclinés face à Séville. Et là, ce match de Manchester City, ça servirait de tremplin tout simplement pour les Marseillais pour pourquoi pas tenter de se qualifier pour la 8e de finale de Ligue des Champions. Ça serait envisageable, mais il faudrait bien sûr faire un bon résultat contre Manchester City et espérer. Alors, pourquoi pas mouver un faux pas du FC Séville face au Lokomotiv Moscou. Ça ne fera que relancer le suspense dans ce groupe. Alors, Manchester City qui revient d'une victoire en championnat face à Sheffield. Et l'OM, mais je peux pas trop vous dire en Ligue 1 Iberis comment ça se passe. Voilà, donc on va démarrer le match. L'entrée des joueurs va se faire sur la pelouse du stade Vélodrome, bien évidemment, toujours à huis clos, malheureusement, sans supporters. L'hymne sacré de la Ligue des Champions vient de retentir donc pour la deuxième fois en Ligue des Champions, 7 ans après. Et le coup d'envoi de ce Marseille-Manchester City, donné par Benedetto, l'OM, en quête donc de succès pour pourquoi pas d'un très bon résultat face à Manchester City, pour croire à la qualification en huitième de finale. C'est très possible, mais il faut en tout cas rester froid et rester à l'affût, rester concerné dans ce match entre l'OM et Manchester City. Et déjà un premier ballon avec Bernardo Silva. Et ensuite il a lancé Sterling. Sterling qui retrouve le Portugais. Lancé Monégasque qui retrouve face à un latéral, le Marseillais qui va donner face à Mahrez. Oh, la première parade, pardon, de Mandanda. Et bien déjà après 5 minutes de jeu seulement, l'OM est déjà prévenu avec une première frappe de Riyad Mahrez. Que Mandanda bien sûr arrête sans trop de problème. Et la passe ouais, ça, de Sakai, ce sera rendu à Ruben Dias. Et Citizen, on voit déjà que ils ont déjà le ballon, ils vont peut-être bien le garder ce ballon. Gündogan, Ruben Dias avec Zinchenko qui va jouer avec Bernardo Silva. Kevin De Bruyne aujourd'hui positionné à son rôle principal, le rôle de milieu offensif, puisque contre le Lokomotiv Moscou, il n'a pas été aligné à son poste et ça a été très compliqué de s'imposer. Nous ont imposé que 2 buts à 1 face aux Russes qui ont été tout de même très vaillants et qui jouent d'ailleurs ce soir face au FC Séville. Et désormais, on est là et attention avec João Cancelo qui va perdre ce ballon. Et la récupération derrière des Marseillais. Benedetto. Benedetto, le ballon vers Sakai. Hiroki Sakai qui va donner directement à
devant. Oh, Ruben Dias, très soulé sur les appuis et qui récupère ce ballon. Ruben Dias, l'ancien joueur du Benfica de Lisbonne. Et les Citizens qui vont déjà essayer d'aller marquer. Avec le ballon vers Raheem Sterling. Pas de faute. Selon l'arbitre. Et la récupération. Attention, Benedetto face à Ruben Dias. Et la passe. Oh, la passe, oui. Et il est pas hors jeu, je pense. Ouais, non, c'est perdu. C'est perdu, il était pas hors jeu. Hein. Pourtant, Valentin Rongier. Dommage. Et on voit que les Citizens conservent ce ballon. Ils veulent la garder, ce ballon. Ils veulent le conserver, même si là, il y a eu un très bon pressing. Et attention, de me mettre quelques-uns, mais qui met cette passe vers Benedetto. Benedetto qui n'arrive pas à s'en saisir. Benedetto, tout simplement, le meilleur buteur de cette Ligue des Champions. 4 buts inscrits en un seul match. Ce serait bien qu'il en marque un ce soir, un cinquième, puisqu'il a fait quand même très bonne figuration face au Lokomotiv Moscou lors du premier match de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Et que les Gundogan. Une douane, oh là, le très bon tacle et la récupération avec Dario Benedetto. Benedetto qui va, oh là, le renversement, très bien ça, le renversement. Et attention, c'est Phil Foden face à, et là, oh là, très bien joué le vert face à, je crois que c'est à ma vie, et ce sera une touche. Et la touche, ouais, ça a été perdu directement. Et Aymeric Laporte qui va donner ce ballon avec Raheem Sterling. Bernardo Silva, attention les Marseillais. Bernardo Silva, c'est un danger. Bernardo Silva avec qui essaie de jouer entre les lignes, mais ça a été récupéré par les Marseillais. Et ensuite dégagé sur la tête de Dario Benedetto. Mais il n'arrive pas à attraper ce ballon. Allez, les joueurs de City qui vont essayer de revenir. Gundogan, Zinchenko. Zinchenko, est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va centrer? Non, il va trouver derrière Bernardo Silva. Bernardo Silva, joueur de l'AS Monaco, il avait marqué ici au Vélodrome. C'était il y a 4 ans. Non, 3 ans. C'était au mois de janvier dernier. 2017. Et le centre et la tête. Repoussé par Mandanda et le corner pour Manchester City. Attention, à la demi-heure de jeu là. Bernardo Silva et De Bruyne qui jouent à 2. Centre, ça a été dégagé par Kaitachar, mais mal dégagé puisque Gundogan récupère la frappe de Gundogan et l'arrêt de Mandanda. Steve Mandanda qui va bien capter ce ballon et qui va relancer court avec les défenseurs centraux. On va renverser vers Hiroki Sakai. Attention à Sakai. Sakai qui va, voilà, Sakai qui va perdre le ballon face à Gundogan. L'allemand ou turc, ou le turco-allemand, je sais pas comment on dit. Et là, il y aura une position d'hors-jeu de Dario Benedetto. Ruben Dias pour frapper ce coup franc, plutôt pour faire une passe à Zinchenko. Et que Gundogan, Gundogan avec toute l'expérience qu'il a, bien sûr, c'est un très bon joueur, un très bon relayeur. Et le centre, non, ça ne donnera rien. Pape Gay qui donne à Rongier. Rongier qui a directement trouvé la talonnade plutôt Benedetto et sa talonnade vers Cuisance. Ensuite les Marseillais qui vont essayer de construire là cette fois. Allez, faut garder un peu ce ballon là à la 36e minute. C'est bientôt la mi-temps, la frappe, ça a été contré. Et Zinchenko, Gundogan avec Bernardo Silva. Avec Raheem Sterling aujourd'hui à la pointe de l'attaque en absence d'Aguero et de Gabriel Jesus qui était incertain pour ce match. Sa frappe a été contrée, notamment de Sterling. Et oui, il était incertain. Gabriel Jesus, il aurait pu jouer ce match face à l'OM, mais il n'a pas pu jouer. Et Dimitri Payet qui a perdu ce ballon face à Phil Foden. Il réclame la faute, il n'a pas été entendu. Et Joe Cancelo et Jorge de City qui vont repartir avec Julian Mahrez. Mahrez qui va essayer de trouver un point de chute, un centre sur la tête et sur la tête de Bernardo Silva, et ce sera l'ouverture du score. L'ouverture du score ici au stade Vélodrome. C'est un très gros coup dur pour l'OM, pour l'Olympique de Marseille qui va se retrouver mené sur sa pelouse 1-0. Et c'est très dur pour les Marseillais quand on voit tout simplement
Après, les Marseillais n'ont pas eu d'occasion très dangereuse, hein. Ils ont été pas non plus en grosse difficulté, mais c'est vrai quand même que ce but est lourd à encaisser là. On voit ce centre qui est presque déposé sur la tête de Bernardo Silva. Et ça fait donc 1-0 pour Manchester City sur la pelouse de l'OM. Et c'est un but très très dur à encaisser. On attaque la temporisation de Riyad Mahrez pour son centre sur la tête de Silva. Ah, il est déposé ce centre vraiment. Il saute en extension Bernardo Silva et date de la tête. Et il permet pour l'instant à l'OM, enfin plutôt à City de mener et à l'OM d'être derrière au score. Ça fait donc 1 à 0 pour Manchester City. Aïe, c'est ouais, c'est pas une bonne, c'est pas du tout une bonne chose là pour les Marseillais que d'encaisser ce but. Ah oui, vraiment pas là, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors en plus juste avant la mi-temps, l'arbitre, il va rester un peu de temps quand même, mais bon, ça c'est dur d'encaisser ce but maintenant, hein. Attention, et ça va revenir avec le centre. Ça a été repoussé, Gundogan qui a récupéré avec Bernardo Silva. Bernardo Silva, Aymeric Laporte, avec Kevin De Bruyne, Phil Foden. Et Phil Foden avec João Cancelo. João Cancelo avec Riyad Mahrez. Phil Foden encore. Phil Foden qui a été donc préféré aujourd'hui à Rodri, hein, pour ce match. Selon Pep Guardiola, dans ce 4-3-3 toujours, cette fois il y a avec un milieu offensif qui est aujourd'hui Kevin De Bruyne. Le centre a été contré, ce serait une touche. Allez, João Cancelo frappé, enfin pour faire cette touche. On donne Kevin De Bruyne. Il va frapper Kevin De Bruyne. Et la très jolie parade de Steve Mandanda encore pour préserver l'espoir. On est dans le traditionnel de la première période. Corner pour City. Le corner, ça va être directement dans les gants de Mandanda. Il va dégager. Non, ça joue encore. Ça joue encore et ça va jouer encore avec Gundogan. Avec Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, le centre de Kevin De Bruyne pour Gyan Mahrez! Et ce sera la mi-temps! C'est la mi-temps, donc 1 à 0 pour Manchester City, avec ce but encaissé juste avant la mi-temps par l'Olympique de Marseille. Alors faut quand même noter que l'OM ben, n'a pas beaucoup tiré dans ce match, je crois qu'ils n'ont, enfin, si je veux être sûr, je crois qu'ils n'ont même pas tiré. Mais voilà, c'est dur tout simplement pour l'Olympique de Marseille cette rencontre. City a cadré 4 fois et ils n'ont pas cadré, ils ont tiré qu'une 4 fois pardon, et ils ont cadré 3 fois, donc une fois ça a été au fond. Et bien sûr c'est ensuite ponctué par des parades de Mandanda. Et voilà, première période assez bah, allez, alors bien sûr la bataille du milieu, hein, c'est difficile de la gagner, mais je trouve que les Marseillais s'en tirent assez bien, même si voilà Pep Gay sur ce match mais il est moins bon, hein, bien sûr, que contre Séville. Après Manchester City, alors bien sûr Séville est bon, hein, mais Manchester City c'est quand même notre niveau, surtout quand il y a De Bruyne et des joueurs comme De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez en face. Et voilà, donc voilà, c'est très compliqué pour Marseille d'exister dans cette rencontre. Voilà, et ensuite dans cette première période aussi, ce qui n'allait pas un hein, côté marseillais, c'est bien sûr les ballons perdus au milieu. Allez, après en même temps, c'est pas simple face à Manchester City de garder le ballon au milieu, hein, c'est pas très possible. Mais bon, l'OM a tout de même été pas si mal en vrai. Voilà, Benedetto a quand même touché quelques ballons. Aucun n'a bien sûr abouti à un tir. Mais après, Rongier l'a pas mal touché. Cuisance un peu transparent. Donc voilà, on espère plus. Et après, cette première période aussi a été ponctuée par donc ce but encaissé en fin de première période. Et cette tête donc de Bernardo Silva qui gagne bien son duel en l'air, qui est bien en extension et qui met un joli coup de tête après le centre aussi de Mahrez. Et très joli, puisqu'il est quand même déposé sur la tête, voilà, de Bernardo Silva. Allez, on va repartir pour la seconde période de ce Marseille-Manchester City. Après ces 150 secondes de mi-temps entre Marseille-Manchester City, on va repartir. Et c'est reparti ici au Stade Vélodrome.
1-0, c'est le score à la mi-temps. Et pour repartir dans cette seconde période également entre Manchester City et l'Olympique de Marseille à Laurent Gélodrome. Et on espère donc en seconde période, pourquoi pas une égalisation marseillaise. On a vu de quoi étaient capables les Marseillais lors de la première journée, pourquoi pas le revoir en seconde période contre Manchester City et un premier ballon récupéré par Dimitri Payet, peut-être pour lancer les hostilités dans cette seconde période. Allez, les Marseillais qui vont donc conserver ce ballon. Le ballon long vers Hiroki Sakai. Sakai qui a trouvé Benedetto. Et il a perdu le ballon malheureusement. Le joueur de l'OM. Et les Marseillais donc qui repartent dans cette seconde période. Toujours dans le même dispositif. Hein. Toujours ouais, à 5 milieux. Donc un petit 3-5-2. Tout 3-4-1. 3-4-1-2. Il qualifie sans cesse de se défaire de la pression de Kevin De Bruyne. Mais il va perdre le ballon, l'ancien joueur du Bayern de Munich. Et attention, ce ballon avec Raheem Sterling. Alvaro Gonzalez récupère. Pape Gueye qui va essayer avec Dimitri Payet. Dimitri Payet qui va essayer de s'enfoncer. Payet qui retrouve Cuisance dans l'axe. Cuisance Benedetto. Benedetto Cuisance. Attention à Michael Cuisance, il va se retrouver peut-être en position de frappe. Il va retrouver Sanson. Non, plutôt Payet. Payet au centre. C'était sur Benedetto, mais ça n'arrivera pas. Les joueurs de City vont se dégager. Et ce sera une touche, on va voir. Sur City. Et voilà. Bon, pour Manchester City avec Sterling. Sterling qui va essayer de s'enfoncer. Face à Valentin Rongier, la pression dans ce genre du FC Nantes. Et le ballon, Kevin De Bruyne. De Bruyne qui retrouve derrière le soutien. Sterling. Et on croit pas la frappe, mais ça a été contré, la frappe de De Bruyne. Et les Marseillais vont essayer de repartir en contre-attaque avec Payet, mais les défenseurs de Manchester City sont revenus. Les Mancuniens. Morgan Sanson. Sanson qui cherche Michael Cuisance. Michael Cuisance encore. Il sait pas quoi trop quoi faire du ballon, on dirait. Le centre, mais il a été contré. Allez, on va repartir sur une touche. Morgan Sanson. Michael Cuisance. Cuisance avec Valentin Rongier. Rongier le tire! Et la première frappe marseillaise a été repoussée par Ederson. Première frappe hein, dans cette seconde période. Et la première frappe marseillaise, elle a été plutôt dangereuse et derrière une faute. Une faute et un coup franc à suivre qui va frapper Tichenko. Tichenko va se frapper dans la zone, ça a été dégagé. Bernardo Silva et Rongier qui essaie de récupérer, mais il n'arrivera pas. Le ballon vers Raheem Sterling. La frappe de Sterling et Mandanda aussi impériale hein, sur cette occasion. Dégagement, Sanson. Pas de Sanson. Et il va subir une faute. Coup franc pour l'OM à la 66e minute. Et c'est Payet qui va le frapper ce coup franc. Enfin, Payet sur Thauvin, ça a été repoussé. Kayet Achar qui essaye avec Benedetto. Benedetto le tire, ça a été repoussé. Et le joueur de City qui récupère. Allez, on va essayer de mener une attaque, on va surtout la garder, genre de Manchester City, avec Zinchenko. Le ballon, le renversement, sur le joueur de Manchester City, je crois que c'est Rodri. Le ballon, oh là là, sur Raheem Sterling, attention, Raheem Sterling le tire, il a été sorti par Mandanda cette frappe, et ce sera un corner pour les Citizens. Attention, il reste 2 minutes à jouer. Le corner, ça a été encore repoussé par Mandanda. Radojnik qui est rentré, qui va essayer d'apporter de 109. Hein. Radojnik, Baléderi, Alvaro Gonzalez et les Marseillais donc qui ont envie de repartir maintenant pour pas aller chercher une égalisation à un quart d'heure de la fin. Hein. Radojnik, Benedetto, Radojnik. Et Pape Gueye qui essaie de presser parce qu'il est assez loin hein, maintenant. Et le ballon qui n'arrive pas et ça a été restera Citizen, le ballon a été dégagé vers Mahrez. Riyad Mahrez dans la surface, il a été contré, attention, De Bruyne. Oh la parade de Mandanda encore. Et les Marseillais qui sont en souffrance hein, dans cette partie-là de cette seconde période.
Allez, la contre-attaque, Radojnik. Radojnik, Sanson. Le sang de Sanson, ça a été contré. Ça ne sort pas, ça a été sauvé. Morgane Sanson, Radojnik. Attention à Radojnik. Il va se retrouver dans la surface. Il va déborder la surface. Non, De Bruyne récupère ce ballon. De Bruyne fait un très très bon match. Comme souvent le joueur belge. Et là, il y a la récupération. Et là, il va permettre à cette contre-attaque de se mener. Non, De Bruyne, là, il perd le ballon, là. Et De Bruyne, là, il a pas fait de bonne chose. Et attention, ballon par-dessus vers Benedetto. Ça a été dégagé de la tête. Attention, Florian Thauvin. Florian Thauvin, le centre. Ça a été encore dégagé par les défenseurs de City. Et maintenant, c'est un peu de temps. Walker. Walker qui a dû prendre ce ballon. Et l'accélération. Oh là, oui, pourquoi pas Mahrez? Pourquoi pas Mahrez? Le centre de Mahrez sur la tête de Raheem Sterling. C'était bien mené hein, de la part des joueurs de City. Et le dégagement sur Radojnik. On essaie de vite repartir côté Marseillais pour essayer d'égaliser. Il va rester 5 minutes. Morgan Sanson. Sanson, le tir. Ouh, Morgan Sanson là. Elle aurait peut-être pu égaliser là, mais. Sa frappe passe quelque peu à côté. Hein. Et le dégagement, ça a été directement sur Rongier. Qui peut jouer avec Thauvin. Thauvin, la tête, Rongier. Rongier, attention. Attention à Valentin Rongier. Pape Gueye qui essaie de récupérer, mais. Il est un peu monté trop là, l'ancien joueur à vrai. Attention. Et allez, pourquoi pas. Voilà, bien joué la récupération là. Le joueur de la part de Gay. C'est Morgan Sanson. Allez, il va rester peu de temps à jouer là. Mais quelle cuisance qui va subir une faute. Un coup franc, allez. Allez, faut monter là. Faut que les décentraux ils montent. Hein. Balerdi, tout le monde, Léon Gonzalez. Et c'est mal frappé la part de Radojnik. C'est très très mal frappé. Ça ne, ça... C'est vrai que c'est mal frappé. Ça ne fera pas de solution marseillais. Et on rentre dans la fin de ce match. Et le ballon, et ça a été dégagé. Mais quelle cuisance, le ballon vers Radojnik, mais les signaux hors-jeu. Et c'est terminé, victoire de Manchester City 1 à 0, donc contre l'Olympique de Marseille dans ce match, la troisième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Et donc, on peut dire que l'Olympique de Marseille bah, a tout simplement été mal payé, a tout simplement été eh bien, trop tendre, on va dire, offensivement. Et donc, du coup, bah, ça a fait que. Les Citizens s'imposent 1 à 0, et aussi par manque de tir parfois, par manque de tir, et pourtant par manque d'occasion, les Citizens ont réussi à mener, à s'imposer donc 1 à 0 face aux Marseillais, face aux Phocéens donc qui ne gagneront pas ce match, et donc qui seront donc derrière Séville. Qui vont se retrouver donc troisième de ce groupe F avant donc de se quitter la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi. Nous serons le, il me semble, si je ne me trompe pas, le 24 novembre. Mais ce sera le match retour à l'Etihad Stadium. Voilà, donc en attendant, les gars, portez-vous bien. C'était tout pour moi. C'était Sport Virtual Roleplay. Et moi, je vous dis à la prochaine.